Du Shabbat, Vaïchi, je suis très heureux d'être là. Aujourd'hui, Kvod Harav, Rav Samuel, avec votre directeur, avec mon ami le Rav David Saada. Moi, je suis député des Français d'Israël, des Français qui habitent l'Italie, des Français qui habitent la Turquie, des Français qui habitent Malte, des Français qui habitent Chypre, des Français qui habitent Saint-Marin et même des Français qui habitent le Vatican. Un juif, mais je suis juif, français, juif. Les juifs sont en France depuis des milliers d'années, vous devez le savoir. Vous étudiez souvent Rashi. Aujourd'hui, y compris lorsqu'on étudie la langue française ancienne, tous les gens qui font des recherches se servent évidemment de Rashi. Donc ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier, même si moi, à titre personnel, je suis d'origine tunisienne, tripolitaine, italienne, mais il y a des Français qui sont en France depuis pratiquement Khorban Beit Sheni, pratiquement. Ah, et le Rav Samuel, vous avez la chance d'avoir le Rav Samuel. Ça, c'est extrêmement important. Parce que les Français juifs ont fait briller la France pendant 2000 ans. Comment ils ont fait briller la France? En restant eux-mêmes. Comment? En gardant leur Torah. La Torah aujourd'hui qui est universelle, la Torah qui a gardé le peuple juif pendant 2000 ans. Si tous on est là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à la Torah, mitzvot, tarat ha-mishpacha, kashrut, ce qui n'empêche rien à notre amour énorme pour la France, qui nous a tout donné. Et avec la loi Dina de Malchuta Dina, comme vous le savez, dans la Gemara, on doit suivre les lois de son pays. Alors, parfois ça a été difficile, les juifs ont quitté. Si on demande, il y a trois mitzvot, vous savez mieux que moi, où on dit, voilà... Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara, on peut dire non, on tue, mais à ce moment-là, vous quittez le pays. Mais on n'a pas eu ce problème avec la France, Baruch HaShem, sous contrôle du Rosh Yeshiva et du Rav. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être à l'Assemblée nationale, donc la représentation nationale du peuple français, et je représente des Français, pas des Juifs, des Français de toutes confessions, de toutes origines, de toutes obédiences. Même si forcément je suis élu, j'ai été élu grâce à vous, grâce à Kadosh Baruch Hu, je le dis, on a le droit d'être, d'avoir une émouna de Hachem très forte et d'être aussi un serviteur de la République, il n'y a pas de contradiction. Vous savez qu'aux États-Unis, doing God, we trust, ça fait partie de la Constitution. Nous, la France est un pays officiellement plus laïque, mais c'est la possibilité de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Pour ma part, j'ai choisi de croire en Kadosh Baruch Hu, et de pratiquer du mieux qu'on puisse, chacun à notre niveau, nos mitzvot. Moi, la lumière de ma famille en termes de Torah, c'est mon frère qui est le Dayan de Natania, le Rav Moshe. Mais je racontais tout à l'heure, j'étais à une bar mitzvah, que quand mon père est arrivé en France, Rav Samuel, il est arrivé en 1956. Il n'y avait pas un restaurant kasher à Paris. Mais il n'y avait pas de vin kasher non plus. Mon père a décidé, vos parents connaissent, vous ne connaissez pas. Les vins Habib, ils ont créé les premiers vins Habib. Il n'y avait pas en 1957. Et tout à l'heure, j'étais à la bar mitzvah du fils de mon cousin Germain. Il a fait un film extraordinaire sur l'histoire. Comment ils sont arrivés en France? Mais il fallait faire le kiddush. Il y avait un peu de Geffen qui arrivait d'Alsace, du vin sucré. Mais eux, ils ont été à Bercy. Ils ont fait les premiers vins. Aujourd'hui, vous avez 100 marques de vin cachère en France. Il y en avait zéro. Et Baruch HaShem, moi, je suis né dans une famille. Ils ont fait les premières... la première synagogue des Juifs d'Afrique du Nord à Paris. Au début, ils étaient à peine une trentaine. C'était à la Victoire, le minyan tunisien en bas. Puis après, au Cirque d'Hiver en 61, ils avaient 6000 personnes, Rav Samuel. 6000 personnes, les gens, ils arrivaient d'Algérie principalement, des Juifs d'Afrique. Et après, ils ont fait des colonies de vacances. Ils ont pris toujours Torah, mitzvot, aussi l'amour de la France. Et aujourd'hui, vous êtes issus de ces familles qui aiment la France, qui ont grandi en France, qui sont attachés à la Torah, qui sont aujourd'hui ici pour performer vos connaissances et peut-être demain retourner à Paris, enseigner. Et c'est pour ça que c'est tellement, tellement important de garder vos racines. Vous savez, quand je suis rentré à l'Assemblée nationale, la première fois, j'étais très ému. Je pensais à mon père qui est parti, il n'était pas là. J'ai dit, vous savez, quand vous êtes des députés un jour de la République, c'est très émouvant, vous avez très goût de l'Assemblée, etc. C'est nos racines. Vous, aujourd'hui, vous avez tous des racines. Il y en a qui viennent de Sarcelles, de Créteil, de Paris, de Lyon, de la Côte d'Azur, de Strasbourg. J'en ai oublié beaucoup, du Sud, du droit de Paris, etc. Vous faites briller la France. Vous faites briller la Torah. Et ce n'est pas contradictoire, Rav Samuel. Vous faites briller comment vous avez un Rav qui est d'origine depuis...
alsacienne depuis des centaines, comme le Rav Guggenheim, le grand rabbin de Paris. Mon père me raconte, extraordinaire. Mon père me raconte que le fils du grand rabbin de Paris, dès qu'il venait, il s'asseyait sur des chaises, il demandait de voir Torah, il arrivait à Bercy où on faisait le vin, on avait les machines, etc. Et il me disait, tu vois, j'ai raconté au Rav Guggenheim, il m'a dit, tu vois ce monsieur, son père il est rabbin, son grand-père il est rabbin, son arrière-grand-père il est rabbin, son arrière-arrière-grand-père il est rabbin pendant des générations. Et on voit la Torah. Aujourd'hui, vous avez un rôle qui est fondamental. Vous savez, vous êtes dans un âge, d'un des plus bels âges. Donc, il y a beaucoup de tentations extérieures, mais il y a l'amour de la Torah. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, vous êtes les futurs éducateurs, les futurs cadres de la communauté française juive. Et vous êtes sous contrôle et sous la chance d'avoir le Rav qui vous enseigne. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi, qui suis député des Français de l'étranger, d'être avec vous aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous faites briller la France, vous faites briller les valeurs de la France, vous faites briller les valeurs du judaïsme, vous faites briller la proximité entre l'État d'Israël et la France. Vous avez décidé pour une période de votre vie d'être en Eretz Israël. Il y en a qui resteront, il y en a qui repartiront. Comme beaucoup d'entre vous, je sais qu'on a beaucoup, comme par exemple le Rav Beros, qui est le grand rabbin de Sarcelles, qui est un ami très proche, qui a étudié à l'Yeshiva du Rav, et qui était donc candidat pour être grand rabbin de France, avec beaucoup d'autres. Donc vous avez un rôle qui est fondamental. Moi aujourd'hui, je suis là pour vous appuyer, pour vous dire que vous avez fait un bon choix. Pour vous dire que vos études, vos travails sont fondamentaux pour nous, le peuple juif. Parce que sans ça, on perd toute notre identité. En malasot, il n'y a rien à faire. On n'a jamais été un peuple prosélyte. On a un peuple qui s'est intégré, mais on a un peuple qui a gardé notre Torah. Autrement, il n'y a pas de raison d'être si jamais le peuple juif ne garde pas sa Torah. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis heureux d'être là. Rav, je suis. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais vraiment, je remercie mon ami David, Rav David, qui est avec moi à mes côtés depuis le premier jour, qui m'a aidé. Vous ne pouvez pas imaginer comment le monde de la Torah s'est mobilisé pour Baruch Hashem me donner cette force. Les Nassom, les Kadesh, et Gamet Shem Hashem, et garde les valeurs de la France. Il n'y a pas de contradiction entre tous les deux. Voilà, j'ai peut-être été long, je voulais vraiment être avec vous. Le Chabek Otrem, la Ov Otrem, la Chel Achem Atzlacha, Bracha. Chez Tiskou, les Hader et Shem Hashem, Po, Betsafad, Bekol Makom, Chez Tehou, Tilmedout, apprenez la Torah, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Kol Touf. Merci.